L'Arc Jardin éducologique est une entreprise sociale qui propose des activités d'éveil et d'accompagnement pour renouer et sensibiliser à la nature et au vivant à travers des activités qui s'adressent principalement aux enfants, mais pas que. Nous avons aussi toute une palette d'activités qui s'adressent aux adultes et aux moins petits. Nous n'avons pas décidé d'être des entrepreneurs sociaux, c'est un choix qui s'est imposé de lui-même parce que, bien évidemment, en fait, quand on décide d'avoir un impact social, environnemental, ça, on ne peut pas être en même temps dans une course effrénée aux opportunités, aux profits et au business classique. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui s'est imposé d'elle-même. Alors, j'ai eu la chance immense d'être incubée au laboratoire de l'économie sociale et solidaire pendant presque un an, ce qui m'a beaucoup aidée, surtout en fait, profiter du réseau, d'avoir vraiment un écosystème dans lequel on pouvait baigner, interchanger, vraiment on était en symbiose et avoir des opportunités avec des gens avec lesquels on parlait la même langue en fait. C'est ça la grande chance, c'est-à-dire qu'on n'était pas là à discuter, négocier le bien fondé de certaines valeurs écologiques ou sociales. Non, ça c'était un fait et c'était classé. Maintenant, on discutait de la faisabilité technique de certaines manœuvres en fait pour établir un partenariat, pour organiser un événement ensemble, pour collaborer d'une manière qui soit vraiment bénéfique pour tout le monde autour de la table. Donc, il y a environ un an, une loi organisant l'économie sociale et solidaire a été votée au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Cette loi, elle a été largement célébrée et applaudie. Personnellement, ça m'a beaucoup réjouie, mais je n'en ai pas du tout bénéficié parce qu'elle ne me concerne pas. Dans mon cas en particulier, elle ne concerne pas l'entreprise sociale que je suis, mais ça a quand même agi comme un booster, comme quelque chose, comme un catalyseur qui nous a un peu poussé dans une certaine euphorie en fait à célébrer le moment et avancer dans ses projets. C'est clair que la loi peut offrir des facilités et des opportunités, par exemple une défiscalisation, une exonération des charges sociales, par exemple pour les employés, pour la création d'emplois, etc. Alors de toute façon, c'est bien qu'il y en ait une pour que l'opinion publique, pour que les acteurs publics surtout, commencent à s'intéresser au sujet, mais les personnes, les porteurs de projets qui s'inscrivent vraiment dans l'économie sociale et solidaire n'attendent pas et ne doivent pas attendre qu'une loi vienne légiférer en fait sur leurs propres valeurs, sur les normes d'une économie sociale équitable et égalitaire pour tout le monde. Donc loi ou pas loi, il faut avancer, il faut travailler avec conviction, c'est tout.